Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture. Alors, la semaine dernière, je vous avais présenté trois sœurs qui peignaient ensemble. Chacune avait des visions différentes. Là, c'est le père et le fils. Je ne sais pas, c'est tombé par hasard comme ça, des éditions familiales. Je vous assure, c'est très intéressant puisque des personnes du même sang, entre guillemets, ont vraiment différents points de vue. C'est ce qui se passe en fait en Égypte. Dans une même famille, on peut être pour ou contre telle ou telle tendance politique. Là, on parle d'art, je vous laisse regarder. Durant 2 semaines, la salle El Ard au centre culturel Al Saoui a accueilli la première exposition de deux artistes, Mahmoud Chokri et Manal Shehatam. Encore une fois, le centre culturel Al Saoui donne la chance aux jeunes et aux nouveaux talents à exposer leurs œuvres en public. هو احنا واقفين في معهد الفنان محمود شوقي هو في الاساس مهندس معماري اللوحات اللي شغال بيها او الفن اللي شغال بيه اسمه مودرن ارت هو الفن الحديث Mahmoud Chokri, architecte d'intérieur, c'est sa première exposition personnelle. Bon, on peut dire qu'il a déjà participé à de nombreuses expositions générales. Nous remarquons dans ses œuvres l'influence de figures géométriques. Il nous propose une série de tableaux et de portraits d'un style moderne. La géométrie, bien sûr, en référence à son métier qui est architecte d'intérieur. Nous remarquons aussi l'utilisation de couleurs vives. L'artiste a très bien maîtrisé le jeu d'ombre et lumière. Thank you.
Manal Jahata est diplômé de la faculté des beaux-arts, département graphique, mais sa passion pour la peinture à huile a beaucoup inspiré ses œuvres. Elle nous présente ce soir une série d'œuvres qui mélange peinture à huile et peinture sur toile. Depuis mon enfance, j'adore le dessin. Durant le lycée, j'ai participé à de nombreuses expositions qu'organisait le ministère de l'Enseignement. Puis j'ai rejoint la faculté des arts appliqués et j'ai appris des techniques d'art, et cela à travers mes études. J'ai pu découvrir les différentes écoles artistiques. J'ai participé à de nombreuses expositions générales organisées par l'université. En ce qui concerne ce soir, donc l'exposition, on peut voir des personnages principaux, ce sont le cheval et la femme. Et le message est en fait que les deux êtres sont liés. Ils ont des sentiments, de tendresse, mais aussi de précipitation. Deux sensibilités différentes. Cette variété a permis aux spectateurs de plonger dans deux univers. Un plaisir pour les yeux et l'esprit des amateurs et des professionnels. C'était Ahmed Rosny pour le Journal de la Culture.